Réseaux sociaux buzz. Pakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez oh, venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémiques. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Décès d'Anaconda depuis hier, je vous ai apporté la vidéo dont on parlait qu'il avait fait la malaise sur le plateau télé. C'est cette vidéo ici. Et dans la même vidéo, j'ai encore une vidéo. Quand il a fait la malaise, il était parti en congé médical. Depuis sa résidence, parce que les gens étaient en train de réclamer quand est-ce qu'il va rentrer, parce que c'était en plein plateau, il a connu une malaise et tout, il a dit je vais quitter, et ça s'est écouté, vous allez écouter vous-même que quand il a parlé, vous allez écouter qu'il allait quitter, il n'avait pas éteint son micro. Yeah. Et puis la dame il a dit que non, Anaconda devrait vite quitter le plateau suite à sa situation de santé et tout, mais dès qu'il va se rétablir, il va revenir en forme et tout. Il l'avait dit. Et après quelques temps, quand ses fans ont commencé à demander, il est où Anaconda, quand est-ce qu'il va revenir, depuis sa résidence, on l'avait encore reçu sur sa plateau qu'il a, sur son plateau, pardon, qu'il a l'habitude de passer à tout moment et de faire, en tout cas de faire fan, en tout cas à ses abonnés qui lui manquent déjà. Il les avait rassurés qu'il va bientôt revenir et tout. Et il avait encouragé des gens de continuer à faire le Congo, ça, parce que c'est ce qui nous fait vivre. Parole d'Anaconda, on va toujours garder ça, Congo, ça ou rien. Et ensuite, il y aura une vidéo où également, depuis sa résidence, il était en train de s'adresser à ceux-là qui avaient mal bouché sur son nom et tout, dit que non, je suis un peu convalescent. Mais apparemment, il était toujours en train de rassurer ses fans, tous ceux-là qu'il aimait. Il ne voulait pas faire paniquer, il ne voulait pas faire parler de ses problèmes sur le média et tout. Et enfin, il y a un bonus pour vous, une émission que j'ai pris 9 minutes, oui, si je ne me trompe pas, où il avait réussi une comédienne et tout, ils étaient dans le plateau et tout. Malheureusement, je n'ai pas pu vous trouver la vidéo qui s'est battue avec le général Bakosso, mais comme nous sommes pendant cette période ici, pour commémorer en tout cas sa mémoire, ce grand homme. Hier, j'avais dit qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à dissocier la vie professionnelle avec la vie privée. Parce que beaucoup de gens avaient d'idées sur lui que sur la vie professionnelle. C'était sa profession sur le plateau. Pendant qu'il est en train d'exercer son travail, il devrait parler, poser des questions straight comme ça relativement à son travail. C'est comme un avocat, c'est comme un juge. C'est comme un parlementaire, c'est comme un comédien. Sur la scène, il peut changer d'habit. Ce n'est pas pourtant qu'il se promène comme il est sur scène, non. Malheureusement, dans notre communauté, quelle communauté? La communauté africaine. Il traite toujours des gens seulement d'un seul côté, du côté professionnel. Il y a eu beaucoup de témoignages dont les gens ont écrit sur la vidéo que j'avais fait hier, là, non. Il était une personne bien, très gentille. Mais sur les plateaux, il devait faire valoir son travail. Yes, valoir son travail. Il va beaucoup nous manquer. Chez les Européens, chez les Occidentaux, quand vous avez un journaliste comme ça, là, il lui protège. Mais chez nous, les Africains, c'est comme ça qu'on va continuer à perdre des grands hommes. Des grands hommes. Et aussi, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes ne croient pas que c'était une mort naturelle, qu'il était malade, que c'est un empoisonnement et tout? C'est à cause des comportements des Africains. Ils n'aiment pas la vérité. Chez les Occidentaux, vous allez voir ces journalistes-là, ils posent. Il est là, très strict là. Mais rien ne lui arrive. Seulement chez nous, les Africains, que les choses nous arrivent toujours. Bon, Dieu a donné, Dieu a repris. Je vous ai pris trop de temps déjà.
Je vais vous laisser la vidéo. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Pendant ces temps, on va commémorer ces grands temps parce que après son enterrement, en tout cas, on ne pense pas qu'on va encore revenir sur nous. Ce sera peut-être de date de son décès ou des vidéos qui sont restées et tout. Et peut-être de documentaires que les autres vont faire sur lui. Alors, suivez la vidéo et surtout profitez de vous abonner pour avoir beaucoup plus de lui et d'autres. Et cliquez la cloche notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez. Esprit de Congo, ça toujours. Lui-même, il avait dit ça. Lui-même, il avait dit ça. Suivez. Mis debout là. Non, mais moi-même, je ne fais pas ça. Moi, mes enfants sont fiers de mon père. On sait que Ourame, où elle est là, sa bouche est sale. Mais depuis qu'elle est sur les réseaux, elle n'a jamais insulté quelqu'un. C'est quoi, bouche sale? Quand Damien, souvent, il y a d'autres comme ça, je disais que dans les commentaires, on m'insultait, mais je n'ai jamais placé mon téléphone pour répondre à quelqu'un. Mm-hmm. Ça, là, c'est pareil, ta bouche est sale que tu vas regarder quelqu'un pour l'insulter. D'accord. C'est un plaisir pour moi de parler avec toi et te connaître aussi également. Merci. Merci beaucoup, Oura. Merci à toi. Ouais. Merci beaucoup, Anaconda. Merci à Oura Véronique. Mais Oura Véronique, depuis tout à l'heure, Anaconda n'arrête pas de dire que tu n'es pas allé à l'école, tu n'es pas allé à l'école. On dirait que je vais me mettre à l'école, le monsieur là. Il est parti aussi, tu me mets là. Ça ne te gêne pas quand on le dit, hein? Non. Ça ne te gêne pas. Ça du me tout. Gêne pas. Attends, Ouais. Ça va. C'est bon? Bien sorti, ouais. À sortir. Ouais. Bah, Anaconda a dû se retirer pour des soucis de santé. Donc tout ce qu'on lui souhaite, c'est un prompt rétablissement, plein de good vibes. Et puis on espère qu'il nous reviendra très en forme pour un autre face à Anaconda. Parce qu'on a besoin de lui ici. Porte-toi bien, champion. On t'attend ici. Anaconda. Bonjour, Dominique. Comment tu vas? Quand toi tu vas bien, c'est que je vais bien. Oh là là, je suis trop trop contente de te voir. Mais nos téléspectateurs t'ont demandé, ils t'ont réclamé. Uh-huh. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu es? Dis-nous un peu. Mais ton mari Dominique, tu sais où je suis? Il se raconte sur les réseaux sociaux que tu n'es plus là, tu n'es plus sur Pipolémique. Est-ce que tu peux rassurer tes fans? Une bonne fois pour toutes. Mais en fait, depuis un moment, je suis carrément déconnecté des réseaux sociaux. Exactement. Donc, ce qui même se passe sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Donc, si à travers mon absence, les gens se permettent de dire qu'Anaconda est absent, c'est que Pipolémique est plus que mondial. C'est que Pipolémique est plus que mondial. Et ça me fait plaisir que les gars polémiquent qu'Anaconda n'est plus que Pipolémique. C'est que Pipolémique est vraiment suivi. Et j'appelle tout le monde à continuer à suivre Pipolémique. Sauf que Anaconda, il est toujours sur Pipolémique. Je suis toujours sur Pipolémique. Je suis présent. Je ne suis pas parti quelque part. Mais par contre, le point de savoir que Anaconda n'est plus sur Pipolémique, que les gens en parlent, ça me fait plaisir. C'est que Pipolémique est énormément suivi. Exactement. Mais comme tu es là, on va faire petit face à Anaconda. Imagine elle là. Tu es venu me mettre dans. Dans petit, causerie là aussi, tu es ici. Dominique, toi aussi, t'as envoyé Anaconda. Tu pouvais bien gérer toi. Anaconda va venir me charger ici. Oh, un petit face à Anaconda. Okay. La dernière fois. Quoi? La dernière fois que Madeleine en tu dis que tu n'es pas sûr, toi tu n'es pas connecté, mais quoi? La dernière fois on s'est parlé sur le plateau, je pense qu'elle m'a dit que elle était dans une grande maison à la Riviera. Et elle vivait seule là-bas. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'elle est toujours dans la grande maison là seule encore? Ah, tu veux que je sois combien dedans? Ah, peut-être que tu as eu quelqu'un. Je ne suis pas encore mariée. Je ne suis pas encore mariée d'abord. Je ne suis pas pressée. J'attends. Donc, tu es toujours dans la grande maison là? Oui, je à la suis place. Toujours à la Palmeraie. Je suis toujours à la Palmeraie. Dans la grande maison là, toi, c'est toujours. Oh, tu veux venir là-bas? Tu veux maman venir? Maman de Lévidini, c'est qu'on va faire? Ce qu'on va faire, oui? Moi, Anaconda, je vais devenir ton marabout. Je vais devenir ton petiteur pour trouver mari pour toi. Je ne veux pas marier Anaconda, pardon. Anaconda a dépassé Aziz cette fois-ci. Hein. Ah, alors, je ne veux pas marier, oh, pardon. Alors, Anaconda, pour attendre d'abord. Attends d'abord, chercher là. Oh, mais c'est du fait que tu n'as pas marié que tu sentes bien. Pardon. Hein. Tu es venu encore, non? Anaconda, pardon. Comment il n'est pas marié? Ça a quoi avoir? Ça. Hein.
Ça peut être un fétiche, un matin, un fétiche. Ça peut être un fétiche. Le fait que tu n'as pas de mari, tu as du succès, et puis tu chantes bien. Je n'ai pas pensé à ça. Ce n'est pas mon fétiche. Si il y a succès là, je dois aller dans Aqua Arena. Je dis Alhamdoulilah, au bon Dieu. Ça, je dis merci au bon Dieu. Mais si c'est fétiche là, je ne vais pas prendre ça. Ou bien il n'y a pas prendre ce côté-là, ou bien si c'est vraiment fétiche. On va prendre ça comme mais, ça. Mais Madeleine Fitini, Madeleine Fitini, est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire devant le public de PPLK quel âge tu as aujourd'hui? Moi, j'ai 35 ans. Ah, mais il ne se fait pas tard, tu es encore dans le temps pour te marier, il n'y a pas de problème. Il y a le temps pour se marier. Il y a 35 ans. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, hein, vous êtes rassurés. On sait tous qu'Anaconda est toujours là. Est-ce que, Anaconda, dernière question, est-ce que tu as un message particulier pour tes fans, pour tous ceux qui t'attendent, tous ceux qui te réclament? Mes fans, franchement, je suis content qu'ils continuent de faire la polémique. Continuez à faire la polémique. La polémique, là, c'est ça, on mange. Affairez-vous seulement. Faites les affaires seulement, c'est important. Voilà. Restez pas calme. Hein. Merci. Allez, bisous à toi. Mais je salue la métisse là. Et bye, Mani. D'accord. On lui passera le coucou pour toi. Voilà. Mesdames, messieurs, j'espère que tout va bien. Hein. Moi, je suis là. Je suis un peu convalescent, mais c'est la reprise bientôt de polémique. Et j'ai tous les dossiers. Les dossiers sont là. Mais enfin, bref, je ne suis pas venu totalement pour ça. Je voulais simplement dire que cet homme de Dieu qui a tué les révélations sur les artistes de Côte d'Ivoire là, il n'a qu'à se concentrer un peu. Parce que moi, je pense qu'un homme de Dieu, quand il est concentré dans l'œuvre de Dieu, tu n'as même pas le temps d'écouter une chanson qu'on appelle « Poulet devient quelqu'un ». Un homme de Dieu qui est concentré, il n'a pas le temps d'écouter une chanson qu'on appelle « Poum poum, mets au doigt ». Un homme de Dieu qui est concentré. Un homme de Dieu qui est concentré, il ne connaît même pas les méthodes d'une juriste de Bizi. Mais lui, il est là dans son église, il sait qu'on écoute poum poum, mets ton doigt dans son église. Il sait que Poulet devient quelqu'un dans son église. Il sait qu'il y a les jeunesses des busy là. C'est 20 000, elle porte les claquettes. Mais tu es quel genre d'homme de Dieu? Faut te concentrer sur l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'on te demande, s'il te plaît. Ok? Ceux qui chantent Poulet devient quelqu'un là. Ceux qui chantent mets ton doigt poum poum là. Ils n'obligent personne à écouter leur musique. Ils n'obligent personne à acheter leurs œuvres. Il y a la AK qui est là. Si la AK estime que ce qu'ils disent là, c'est pas bon, ils vont censurer. Mais toi qui es dans ton église là, c'est pas ton rôle. Faut te concentrer sur tes fidèles, sur l'œuvre de Dieu. Ok? Maintenant, si tu es plongé, devenir chanteur aussi, fais un concept. Faut faire. On n'a rien contre ça. Mais faut pas te mettre là, Jésus. Ok? Ce que tu dois juger là, le prix du riz a augmenté en Côte d'Ivoire. Faut dire à Dieu de te parler. Il va parler aux autorités parce qu'il y a les familles qui souffrent concernant ça. Mais toi, tu ne parles pas de ça. Hein? Non? Mets ton doigt là. Tu critiques ça, tu incites ça. Poulet devient quelqu'un dans ton église, tu critiques ça, tu insultes ça. Mais tu apportes quoi à la Côte d'Ivoire? Mais qu'est-ce que tu apprends à tes fidèles? Les gars, ils sont un peu malades, hein? Pardonnez. À suivre. Merci de nous rejoindre face à Anaconda. C'est tout de suite. Il reçoit Pétezoué. Albert. Bonjour, Pétezoué. Bonjour. C'est vrai, vous avez été rapatrié? Oui, on peut dire ça comme ça. Hein? Mais quand je vous regarde là, vous avez fait comment pour aller en France même? Alors, je me suis mariée avec une Française. Nous sommes allés en France. Et deux jours plus tard, elle n'a plus voulu vivre avec moi sous prétexte que je ne faisais pas sortir ses chiens. Mais tes jouets là, c'est ivoirien ou c'est... Oui, c'est ivoirien. C'est quel côté de Côte d'Ivoire? Je suis bété. Je suis bété. Les bétés, ils aiment bien la France. Ah. Voilà. Mais quand vous vous mariez avec elle là, vous avez une situation, vous avez un peu d'argent, vous travaillez, ou bien vous étiez là comme ça, vous n'avez rien. Non, je m'occupais d'elle mentalement et physiquement. Hein. Est-ce que ça là, on a besoin de ça dans le fait des femmes? Mentalement, pas... physiquement, c'est pas important de nos jours. Bah si, c'est important, mais qu'est-ce que vous croyez là? Mais quand elle vous a rapatrié là, vous avez dit quoi? Vous n'avez pas demandé pardon? La police vous a soulevé, minoté, mettre dans un avion? Non, j'ai pas demandé pardon. Hein? Mais au contraire, c'est elle qui doit courir derrière moi. C'est pas moi qui dois courir derrière elle. Je suis quand même un grand philosophe. Je me laisse pas faire. La dame qui s'est mariée à vous là, est-ce qu'elle n'en veut pas à la vie? Excusez-moi de vous dire ça. Parce que quand je vous regarde physiquement là, vous n'avez rien qui peut attirer une femme blanche. Mais vous savez qu'on a un point en commun. Vous portez un chapeau comme moi. On a le même style. Oui, mais... Donc, non, n'attaquez pas mon physique.
cas. De nos jours, la philosophie, la femme n'a pas besoin de ça. Les Bretons nous ont montré tout. Il faut payer iPhone 14, il faut payer tant pour donner à la femme. Mais vous partez là-bas, vous voulez la séduire avec la philosophie. Mais c'est normal qu'elle vous a fait déporter ou mais rapatrier. Moi, même si j'ai son numéro, je vais l'appeler pour lui dire merci. Mais attendez, vous êtes son frère ou quoi? Non, mais c'est... Mais alors, de quoi je me mêle? Mais mes enfants, mais dis donc, dis autre. Mais est-ce que vous avez essayé de refaire votre vie en Côte d'Ivoire ici? Bon, en savoir même si la femme qui veut de vous. Plusieurs fois, hein, j'ai essayé, mais il n'y a aucune qui a la même dimension intellectuelle que moi. Affaire des papiers, intellectualité d'enfer des femmes en Côte d'Ivoire, là, ça ne marche pas. On n'a pas besoin de ça. Mais si on a des enfants plus tard. On a notre frère, le pasteur qui est passé ici, il dit, elles sortent le soir, elles sont maquillées, elles ont iPhone 14, matin, rentrée d'homme. Il faut gérer ça. Ah non, moi je ne veux pas les filles qui ont des iPhones. Moi je veux les filles qui ont des gomolos et qui ont dans la tête. Est-ce que vous n'allez pas finir par vous orienter vers les hommes? Pas les femmes là, vous n'allez pas avoir... Mais attendez, vous pouvez vous brûler pour qui là? Moi j'aime les femmes mêles. C'est juste parce qu'elles me trouvent un peu trop bien. Vous avez quel âge? Ça ne vous regarde pas ça. Si, peut-être qu'en fonction de ça, je peux voir ma soeur Eva, elle a des nièces là-bas. J'ai 45 ans. Bon, on demande à Eva si elle a des cousines de 30 ans. Mais pourquoi demander à Eva si elle a des cousines? Elle-même, elle n'est pas mal. Elle n'est pas si mal, hein? Eva est mariée, hein? Elle paye l'homme garçon qui a l'argent. Vous, à 40 ans, là, vous n'avez rien. Vous devez être rapatrié. Votre vie même est foutue. Ah ben non, je suis désolée. Ma vie n'est pas foutue. J'en ai dans la tête. Hein? Les entrepreneurs de maintenant, s'ils avaient rien dans leur tête, qu'est-ce qu'ils allaient entreprendre? Mais dis donc, non, vous m'avez envoyé ici pour m'énerver, là? Vous vous prenez pour qui, là? Mais c'est la vérité. Non, mais vous m'avez envoyé sur ce plateau pour m'humilier, moi, un philosophe d'État. Non, mais attends, là-haut. Mais le chapeau, là-même, il est éteint. Autant enlever, même jeter. Ça ne vous va pas. Mais le chapeau, il est éteint comment? Et vous, vos lunettes, là? Non, non, attendez, là. Venez m'enlever ce micro de merde et que je m'en aille. Eva, c'est pas un malade mental que tu as envoyé ici? Non, non, on va se calmer. Non, je ne peux pas me calmer, Eva. Hein? Monsieur Albert Poitezo, on va se calmer. Comme c'est vous, voilà. Est-ce qu'il y a bêté métisme? Pas de violence. Comme c'est vous, il n'y a pas de problème. D'accord, on reprend. Est-ce qu'il y a bêté métisme? Non, écoutez-moi très bien. Vous allez arrêter vos systèmes d'attaque physique et d'attaque mentale. Sinon, un jour, vous allez prendre des balles perdues et vous n'allez pas vous en rendre compte. À cause de vous, j'ai la moustache qui est en train de tomber et j'en tremble. Eva, faut... Non, mais attendez, là. Eva, faut demander pardon pour moi. Monsieur Albert, vous allez vous calmer, voilà. Je m'excuse. Pour une fois, Anaconda pardon. Est, je m'excuse. Vraiment, est repentant. Bon. Voilà. Je m'excuse. Pardon. Voilà. C'était la fin. Pardon. La dernière question. Il ne faut pas envoyer les gens vraiment enfin voilà. Se ici. Là. Le premier invité à avoir déstabilisé Anaconda, pardon. Albert Petezoué. Merci de nous avoir suivis. Merci. Et puis au revoir, hein. Eva, ton numéro après. Ah, tu vois, c'est toi et j'ai finalement. Merci Anaconda. Merci. Bonjour Petezoué. Bonjour. C'est vrai, vous avez été rapatrié. Oui, on peut dire ça comme ça, hein. Mais quand je vous regarde là, vous avez fait comment pour aller en France même? Alors, je me suis mariée avec une Française. Nous sommes allés en France et deux jours plus tard, elle n'a plus voulu vivre avec moi sous prétexte que je ne faisais pas sortir ses chiens. Bétezoué, là, c'est ivoirien ou c'est... Oui, c'est ivoirien. C'est quel côté de Côte d'Ivoire? Je suis bété. Je suis bété. Les bétés, ils aiment bien la France. Ah. Voilà. Mais quand vous vous mariez avec elle là, vous avez une situation, vous avez un peu d'argent, vous travaillez, ou bien vous étiez là comme ça, vous n'avez rien. Non, je m'occupais d'elle mentalement et physiquement. Hein. Mais est-ce que ça là, on a besoin de ça dans le fait des femmes? Mentalement, physiquement, c'est pas important de nos jours. Bah si, c'est important, mais qu'est-ce que vous croyez là? Mais quand elle vous a rapatrié là, vous avez dit quoi? Vous n'avez pas demandé pardon? La police vous a soulevé, menotté, mettre dans un avion? Non, j'ai pas demandé pardon. Hein? Mais au contraire, c'est elle qui doit courir derrière moi. C'est pas moi qui dois courir derrière elle. Je suis quand même un grand philosophe. Je me laisse pas faire. La dame qui s'est mariée à vous là, est-ce qu'elle n'en veut pas à la vie? Excusez-moi de vous dire ça. Parce que quand je vous regarde physiquement là, vous n'avez rien qui peut attirer une femme blanche. Mais vous savez qu'on a un point en commun. Vous portez un chapeau comme moi. On a le même style. Oui, mais... Donc n'attaquez pas mon fils. De nos jours, la philosophie, la femme n'a pas besoin de ça. Les Bretons nous ont montré tout. Il faut payer iPhone 14, il faut payer tant pour donner à la femme. Mais vous partez là-bas, vous voulez la séduire avec la philosophie. Mais c'est normal qu'elle vous a fait déporter ou mais rapatrier. Moi, même si j'ai son numéro, je vais l'appeler pour lui dire merci. Mais attendez, vous êtes son frère ou quoi? Non, mais c'est... Mais alors, de quoi je me mêle? Mais mes enfants, mais dis donc, dis autre.
Mais est-ce que vous avez essayé de refaire votre vie en Côte d'Ivoire ici? Bon, en savoir même si la femme qui veut de vous. Plusieurs fois, hein, j'ai essayé, mais il n'y a aucune qui a la même dimension intellectuelle que moi. Affaire des papiers, intellectualité d'enfer des femmes en Côte d'Ivoire, là, ça ne marche pas. On n'a pas besoin de ça. Mais si on a des enfants plus tard. On a notre frère, le pasteur qui est passé ici, il dit, elles sortent le soir, elles sont maquillées, elles ont iPhone 14, matin, rentrée d'homme. Il faut gérer ça. Ah non, moi je ne veux pas les filles qui ont des iPhones. Moi je veux les filles qui ont des jumeaux et qui ont dans la tête. Est-ce que vous n'allez pas finir par vous orienter vers les hommes? Les femmes là, vous n'allez pas voir. Mais attendez, vous brûlez pour qui là? Moi j'aime les femmes mêles. C'est juste parce qu'elles me trouvent un peu trop bien. Vous avez quel âge? Ça ne vous regarde pas ça. Si, peut-être qu'en fonction de ça, je peux voir ma soeur Eva, elle a des nièces là-bas. J'ai 45 ans. Bon, on demande à Eva si elle a des cousines de 30 ans. Mais pourquoi demander à Eva si elle a des cousines? Elle-même, elle n'est pas mal. Elle n'est pas si mal, hein? Eva est mariée, hein? Elle paye l'homme garçon qui a l'argent. Vous, à 40 ans, là, vous n'avez rien. Vous devez être rapatrié. Votre vie même est foutue. Ah ben non, je suis désolée. Ma vie n'est pas foutue. J'en ai dans la tête. Hein? Les entrepreneurs de maintenant, s'ils avaient rien dans leur tête, qu'est-ce qu'ils allaient, ils allaient entreprendre? Mais dis donc, vous m'avez envoyé ici pour m'énerver, là? Vous parlez pour qui là? Mais c'est la vérité. Non, mais vous m'avez envoyé sur ce plateau pour m'humilier, moi, un philosophe d'État. Non, mais attends là-haut. Mais le chapeau là-même, il est éteint. Autant enlever même jeter ça. Non, mais le chapeau, il est éteint comment? Et vous, vos lunettes là? Non, mais attendez là. Venez m'enlever ce micro de merde et que je m'en aille. Eva, c'est pas un malade mental que tu as envoyé ici? Non, non, on va se calmer. Non, je ne peux pas me calmer, Eva. Hein? Monsieur Albert Poitezo, on va se calmer. On va se calmer. Comme c'est vous. Voilà. Est-ce qu'il y a bêté métisse? Pas de violence. Comme c'est vous, il n'y a pas de problème. D'accord, on reprend. Est-ce qu'il y a bêté métisse? Non. Écoutez-moi très bien. Vous allez arrêter vos systèmes d'attaque physique et d'attaque mentale. Sinon, un jour, vous allez prendre des balles perdues et vous n'allez pas vous en rendre compte. À cause de vous, j'ai la moustache qui est en train de tomber et j'en tremble. Eva, faut... Non, mais attendez, là. Eva, faut demander pardon pour moi. Monsieur Albert, vous allez vous calmer, voilà. Je m'excuse. Pour une fois, Anaconda est repentant, bon. Voilà. Je m'excuse. Pardon. Voilà. C'était la fin. Pardon. La dernière question. Il ne faut pas envoyer les gens vraiment enfin voilà. Se ici. Là. Le premier invité à avoir déstabilisé Anaconda, pardon. Albert Petezoué. Merci de nous avoir suivis. Merci. Et puis au revoir, hein. Eva, ton numéro après. Ah, tu vois, c'est toi et j'ai finalement. Merci Anaconda. Merci. Voilà, donc, lui voir comme ça, je me dis qu'il faut laisser les traces. On ne vit qu'une seule fois, mais qu'il faut faire un effort de laisser les traces. Ce que j'aimais sur cet homme, c'était sa confidence. Il était très confident. Et il ne mâchait pas les mots. Hein? Il ne mâchait pas les mots. Il posait des questions là, il fallait poser. Il respectait son travail. Il respectait son pays. Il respectait ses fans. En tout cas, il touchait là où ses fans voulaient qu'il touche. C'était un homme avec un grand H. Beaucoup de respect. Il est mort comme un héros. Comme un héros. Malheureusement, l'Afrique est en train de perdre. Il m'a beaucoup rappelé Bob Lee. On va en perdre combien? Moi, je suis congolaise de la RDC, hein, mais je connais ces messieurs. Que Dieu protège notre Willy Doumbé. Que Dieu lui protège. Que Dieu lui protège. Chez nous, on a notre mamie, il est là. Chez nous, au Congo, nous avons notre mamie, il est là. Elle est connue dans le monde entier. Ika de Jong. Connue dans le monde entier. Et on n'en aimerait pas le perdre. Parce que ça fait mal de perdre des êtres chers comme ça. Restez branchés sur Réseaux Sociaux Buzz. On vous apportera plus des témoignages de ses amis, de sa famille. On va vous apporter ça ici chez Réseaux Sociaux Buzz. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Sentez-vous très à l'aise, il y a de la place pour tout le monde. Cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Pour deux histoires, ne vous en faites pas. Déjà ce soir, vous aurez une histoire. Ce n'est pas que, comme nous sommes en train de pleurer, notre très cher frère, grand frère, papa, ils n'allons plus raconter des histoires. On va continuer à raconter des histoires. Yes. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye.